Salut tout le monde, c'est Rodsmith et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA Ultimate Team. C'est le comeback. Enfin, le comeback. Ah, je vous jure, j'ai pas fait exprès de me tromper dans les lettres. Bon, bref, pourquoi ça fait un mois et demi ou deux mois, je sais plus, que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais pas envie. Savoir que j'ai reçu, je sais pas, j'en ai marre de me faire insulter constamment sur YouTube. Je sais que c'est. Faut pas y faire attention aux gens comme ça, mais. Constamment se faire insulter, au bout d'un moment c'est chiant quoi, voilà, ça m'a saoulé. Du coup je me suis dit bon j'arrête un peu. Voilà. Là je reprends, je sais pas, j'avais envie là. Là j'avais envie de reprendre et je me suis dit bon c'est pas grave, on s'en fout. On reprend et c'est parti. Alors, j'ai décidé de faire une nouvelle série qui s'appelle Classico et compagnie. Et comme le titre de l'équipe... Vous le voyez, le titre de l'équipe qui s'appelle PSG-OM. C'était une équipe formée que des joueurs de l'OM et du PSG. Donc c'est une équipe classico. Je ferai de même l'épisode 2 pour une équipe italienne en Serie A. Avec Milan-Juve. Voilà. Je mélangerai les deux, je ferai un classico et je ferai pareil dans les championnats. Si je trouve, après je vais pas aller chercher bien loin, mais je ferai pas 50 épisodes. Voilà. Donc alors... Là, je mets toute l'équipe. Après, je vous dis les prix, combien j'ai payé tout ça. En sachant que c'est les prix en 4-1-2-1-2. Sauf pour le petit Jérémy Ménez qui coûte en 4-1-2-1-2. Là, il est en. Là, je l'ai payé 3003 en 4-3-2-1. Et en 4-1-2-1-2, il coûte 7000. Donc, je l'ai pas pris. Il y a 8, c'est pareil. Alors, voilà. Donc, nous avons. Non, c'est pas le bon sens, c'est comme ça. Voilà, et comme ça. Voilà. Alors, nous avons Mandanda qui coûte 4008. Je rappelle que c'est en 4-1-2-1-2. 2007, 750. Il est inutile de préciser que les prix sont. Les prix que vous voyez ici, c'est les prix au moment où je l'ai acheté. Ça sert à rien de dire oh, tu t'es farnaqué. Non, ça sert complètement à rien de dire ça. Peut-être ça aura changé, mais ça aura pas changé de beaucoup. Voilà, vous avez vu les prix, Gamiro 900 et Rémi 7600. Après, si vous n'avez pas vu les prix, vous faites pause. Et voilà, c'est pour économiser un peu de temps. Donc, on va faire un petit match avec cette équipe. Alors, on va aller en saison. On va aller en saison, je pense. Voilà, on y va. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez fait pareil, mais moi en saison 1, ils me disent que le maintien, c'est 6750 de... Enfin, ils nous donnent 7750 de crédit si on se maintient. Alors, si on gagne, c'est 7750 pardon, si on se maintient, et 3600, je sais plus, si on se fait reléguer. Et moi, j'ai eu le maintien, et j'ai pas été... Je sais pas, dites-moi si ça vous est déjà arrivé quand on vous donne pas les crédits. Bon, on les a pas donné. Pourtant, j'ai vérifié. Même pas eu la relégation. Je sais pas. Bizarre. Alors, nous avons une équipe monstrueuse en face. Enfin, à la fin du jeu, est-ce qu'une équipe comme ça peut se qualifier monstrueuse? Parce que les prix ont largement baissé. Ouais. Monstrueuse, c'est plutôt maintenant. On aurait vu ça au milieu du jeu, au début du jeu. Oula. Attendez, ça a planté. Attendez, je vous remets vite fait. Je vous remets le. Oh. Attendez, ça bug. Hop. Ça va revenir. L'écran noir, normal. J'essaie de renvoyer le filmage. Donc attendez, je vous fais une petite ellipse jusqu'au début du match. Là, je sais pas pourquoi, ça a bugué. Ellipse. Voilà. Donc c'est bon. Voilà. Voilà ça. J'ai eu un petit bug de mon laveur média. Très rare d'ailleurs, ça n'arrive jamais. Mais vas-y mec, c'est bon, je suis là. Vas-y. Voilà. Ça, vous voyez, ça c'est quelqu'un de normal. Voilà, il nous voit pas jouer. Voilà, non, en fait normal. En fait, il aurait très bien pu foncer tout droit. Bon, ça m'aurait rien fait, mais bon, c'est sympa à lui de m'avoir attendu. Donc voilà, on va essayer de faire quelque chose à cette équipe. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Oh non!
4 matchs, ça va pas bugger là. Ça va pas bugger maintenant. Alors, on va essayer de faire quelque chose avec cette petite équipe classico. J'espère que le concept vous plaît. Je sais pas si ça a déjà été fait, je sais pas, j'en sais rien. À vrai dire, je m'en fous un petit peu si ça a déjà été fait, parce que c'est pas mon intérêt. Moi, je sais très bien que j'ai même pas vérifié. Et même si j'avais vérifié, j'aurais fait quand même, si j'avais envie de le faire. Allez, Gamero! Ah, c'était bizarre ça, ce bruit et cette frappe, c'était très bizarre. Contré. D'ailleurs, je vous dis, je sais pas pourquoi Art l'a même pas capté celle-là. Je comprends pas pourquoi il a même pas attrapé cette balle. À deux heures la frappe. Moi bon, je sais pas, bon. C'était assez instantané. Bon, un but en compte, ça me plaît pas trop de marquer comme ça, mais bon. Je comprends pas pourquoi Art là il a fait une merde là. Hein. C'est pour ça que je prends jamais Art. Alors tu fais toujours des trucs comme ça. Ah je vais m'en prendre, ça sera mérité. Ah c'est pas sa faute s'il prend un but là, c'est Art, c'est pas bon. Allez Valbuena, allez Valbuena, vas-y. Bon avant pour répondre à votre question, pourquoi j'ai mis un joueur de plus de l'OM, tout simplement parce que je suis obligé d'en mettre un de plus dans les deux équipes. Et comme je suis du sud, je supporte l'OM. Donc c'était obligé que le sixième joueur. D'une des deux équipes soit olympien, tout simplement parce que je viens du sud. Voilà, et non. Je comptais pour égaliser un peu tout ça, mettre le maillot de Paris, mais comme il avait un maillot noir, eh ben, j'ai mis un maillot bleu, sinon ça serait fait noir. Voilà. N'inquiétez pas, j'égaliserai ça peut-être au prochain épisode. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Alors, hop là. Très dur de jouer en parlant. Je sais pas si je l'avais déjà faire un match en live, c'est super dur. Faut pas parler sinon on est pas concentré. Normalement je fais un différé mais. Alors si vous m'entendez pas beaucoup, c'est normal que je suis concentré. Phase de défense encore ça va, mais en attaque je vais essayer un peu plus de me concentrer. Non, je me suis manqué sur mon dribble. Tac, j'attends, vas-y, viens, je t'attends. Voilà, tu es passé. J'ai fait un écart. Ah, c'est qui le défenseur? C'est Tevez, il a défendu. C'est pas le défenseur. Hein. Ok, il est descendu pour défendre. Oh, c'est passé quoi? Ok. Ça se passe. Bien joué, du coup, bien joué. On tente Oh! Bon, l'enroulé ne passe jamais dans ce jeu. Hein. Mais j'attends quand même. Hein. Au cas où Art ferait une. Une connerie. Ah, qu'est-ce qu'il fait Mandanda? C'est pas toi qui tire les corners. Tu vas le Buena, comme un l'OM. Allez, la tête. On va bien étonner que je mette le corner. Ça va être exceptionnel. Allez. Pardon, excusez-moi. Ça m'arrive des fois des pulsions. Bon, momentanément. Ouais, je dis rien. Je m'offense. Oh! Oh, y'a rien! Oh, y'a rien! Non, mais tu sais, si je t'emmerde, je dégage, tu me le dis, hein. À base de me virer, de me défoncer par terre. Blotti. Moi, j'aime bien ce mec. Moi. Petite dédicace à. Il se reconnaîtra. Pourquoi je dis ça? Collègue, ça reconnaîtra. J'aime bien le Balotelli, moi. Petit Micoli. Ha! Je me rappelle cette histoire. Allez, c'est parti. C'est parti. 1-0 pour moi. Oh les mecs! A savoir que j'avais Gignac au début à la place de Rémi. Alors, Gignac, niveau frappe et tout, il est très très bon. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est là? Une tortue qui mange la paille. La paille représente la pelouse. Représente la pelouse, frère. Non, ça va. Non, mais il est super lent, Gignac. Dommage, parce que s'il avait de bonnes stats en vitesse, ce serait un très bon attaquant. Puis il a une bonne stat en tête. Il est assez grand, 1m86. Je connais tout, t'as vu. Mais bref, voilà. Ah, Mandanda! Ah, Mandanda, il est super comme goal, là, je m'en prendrai. Voilà, Mandanda, encore. Ouais, Mandanda! Ah, c'est bien, hein! Ah, c'est bien, voilà! Magnifique, Mandanda! Magnifique!
Ah là là, ce goal. Inutile de dire pourquoi j'ai pris Mandanda à la place de Sirigu. Déjà, de même parce que j'ai testé les deux et Mandanda est largement meilleur. C'est même le meilleur gardien de Ligue 1. Ah, ouais, meilleur gardien de Ligue 1. Dans le jeu, je parle. Hein. Après, peut-être Sirigu, on sait pas. Mais, ben, moi, je préfère Mandanda, perso. Et de deux parce qu'il est de l'OM. Voilà. Hop, 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 hop. Et lui, c'est le sixième joueur de l'OM. Et dans l'équipe PSG, il n'y a que 5 joueurs, je m'en prendrai là. Voilà, Nkoulou. Ah, je fais que des erreurs quand je parle en défense. Nkoulou, il est très 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 bon en défense aussi. Franchement, Nkoulou, hein, ils ont bien fait de le passer en brillant. Allez, oui, Camero. Ah, voilà, Tibet tenté, j'aurais dû frapper en force. Ah, j'ai trop joué au 12, j'ai trop de réflexes déjà. Quel bonheur, on va tenter le corner rentrant, je l'ai jamais tenté celui-là. Ah! Oh là là, Sako! Ah, ça c'est sa connexion là! Oh là là, qui n'a jamais fait cette blague? Pardon. On se calme les gars, avant la mi-temps, pas s'en prendre rien, c'est pas bon. Voilà, c'est bien. Tac. Tac. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous avez une idée de classico, parce que je ne connais pas tous les classicos de tous les championnats, vous pouvez me dire, est-ce que ce serait possible, si vous le connaissez, si vous savez pas, si vous n'êtes pas sûr, ne dites rien. Mais si vous connaissez, au pire, dites-moi le classico de différents championnats, genre en Russian League, qu'on connaît pas, genre Russian League, Barclay. Je me rappelle jamais, je sais ce que c'est, mais je me rappelle pas ce moment-là. Je me rappelle jamais ce que c'est. Bon, je l'ai demandé 50 fois, on me l'a dit 50 fois, mais je me rappelle jamais. Je crois que c'est United, je sais plus. Vous pouvez me le dire, le Barclay, je sais plus ce que c'est. Oh oui, voilà, Rémi. Ça, j'aime quand Rémi fait ça. Puissant, précis, c'est net et sans bavure. Voilà, on va récupérer le ballon. Voilà, ça, c'est mon ballon, levez-vous, sinon je vous défonce. Donc je disais, ouais, Barclay, je sais pas, en Russian League, dites-moi aussi. Si vous me dites pas, bah, c'est pas grave, je ferai une recherche. C'est vrai que ça m'arrangerait les choses. Proposez-moi, voilà, des idées de classico. Voilà. Moi, bah, je l'ai déjà préparé, celui de Serie A. Après, je verrai pour les autres. Allez, voilà. Histoire que je regarde le pays joueur. Ah, technique, double carré. Ah, j'ai honte. Pourquoi j'ai marqué? Voilà, ouais, voilà, mais je sais pas. Voilà. J'aime pas trop marquer comme ça. Je crois que je marque. Ouais, je marque comme ça. Vas-y, mec, rends-moi la balle. Même que les gens ne le font pas pour moi, j'aime pas m'en prendre des comme ça, donc je marque contre mon camp comme d'habitude. Au moins qu'il marque maintenant. Bon, ça va. Sur corner, je vais faire sortir mon goal, comme ça, il va marquer. Voilà, mets la tête. Ah, mets la tête, mec. Bon, vas-y, je te le rends. Voilà. Oh, j'ai pas fait exprès. Oh là là. Voilà, c'est bon. Justice a été rendue, ça ne changera peut-être pas l'issue du match ou l'issue du score, ça change pas beaucoup, mais... Attendez, j'ai poussé trop le ballon, il a poussé trop le ballon, Ayou! Oh là là, la frappe qu'il met, pourquoi il met mon dans le milieu, je sais pas. Oh, Ayou, il a une très très grosse frappe, c'est hallucinant. On va retenter comme tout à l'heure. Ah, je vais pas le mettre, j'imagine mal tirer. Vas-y, vas-y, Ayou. Ah, Van Persie, très très fort lui aussi. Dommage qu'il est pas en Ligue 1. Je vais pas laisser avoir, voilà. Voilà, on refait. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Relève-toi. Non, il s'est fait quoi? Ah, j'ai manqué une relance là. Ah, le tac, voilà, Ayou. Ça, c'est de la combativité, ça. La combativité, ça. Ça, j'aime ça. Rémi. Non. Ah, ça commençait pas la game, fin de match. Autant la première période a été décisive
et sympathique, autant la deuxième devient catastrophique. Non, voilà. J'aime bien ce petit tacle de boule. Moi, j'aime bien. J'accroche bien sur. Voilà. La touche L2 aussi. La touche L2 très très importante pour pas se jeter sur le défenseur. Après, ça dépend. Ça dépend comment attaque l'autre. Ah! Très très belle action. Joli. Ouais, Balotelli. Balotte. La loterie. Balotelli. Ouh, là, ça arrive. Ouais. Ah, Mandanda était un peu impuissant. Elle a remarqué qu'il aurait pu faire quelque chose. Ouais. Ah, s'il revient comme je me sens con. Ouais, je pense qu'il va revenir. Je vais me faire avoir. Il va peut-être gagner. Oh, la connexion, les gars. Ça colle, hein. Faire deux fois la même blague, ça fait pas. Hein. Non, mais sérieux. C'était même pas volontaire, en plus. Oh. Pas possible, c'est moi qui l'ai. Il y a que la play connectée. Oh. On va arrêter de laguer. Si, bon. On a un peu, ça fait que laguer. Bon, oui, mais ça, j'irai voir ça à la fin du match. Après, j'aurai un pack à la fin. De la vidéo. Allez, qu'est-ce que tu attends, mec? Oh oui, j'ai pas vu, j'ai lâché la manette. Fanny qui lance dans l'axe. Le tir, oui, non, le poteau. Oh non, le poteau. Oh, je suis un gland. C'était pas mérité, le poteau, que c'était revenu sur moi. La logique du jeu est contre moi, enfin bref. Je suis un peu fier d'avoir pris ce poteau, mais bon. Ça aurait été mieux marqué, c'est un peu normal. Pourquoi c'est revenu sur moi, c'est pas normal. C'est pas grave. Si je m'en prends un là, ça serait con, j'aurais bien aimé marquer le poteau. Comment j'ai fait pour tirer de l'autre côté? Peut-être mon moi intérieur qui m'a dit de ne pas marquer. Allez. Lance en profondeur, Gamero, le bon contrôle, la frappe de Gamero, oh le lob. Ah non, non, c'est pas redescendu. Et petit espoir en Kevin. Petit espoir, oh, j'ai failli lui prendre. Anticipation, très très important dans ce jeu. Si j'ai un conseil à vous donner avec les attaquants, foncez sur le mec, foncez. N'ayez pas peur d'anticiper, vous avez une chance sur deux de lui prendre. Non. Non, Mandanda, voilà. Il capte pourtant, voilà. Et après avec les défenseurs, c'est vrai, attendez le défenseur, ne vous jetez pas, c'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Là, avec le milieu défensif encore, vous attendez un peu, et là, avec le défenseur, vous fixez un peu l'attaquant. Ah bah, j'ai des bons joueurs de tête, c'est bon, ça me sauve un peu. Ah, on croise, ah, on décroise, ah il a pas fait la passe, dommage. Non. J'ai confiance en toi, il va repiquer dans l'axe, voilà ça je le savais, ça se voit à 300 km. Oh, une coulou, oh, ça va être bugué. Voilà, ça c'est bien, Gamero qui part sur le côté. Voilà, tu passes en vitesse, David Luiz très très physique. Ouais, c'est David Luiz très très physique, trop physique. Malgré sa vitesse faible, et pour un défenseur c'est très très bien, 79 je crois. Je sais pas, oui, 79. Oui, très bonne anticipation. Dommage que c'est revenu dessus. Pour l'instant, je gère bien en défense. Vous allez voir que c'est juste en disant ça que je m'en prendrai. Voilà, le tacle qui est parfait. Magnifique tacle de ma part. On lance Rémi. David Luiz qui est dessus. Oh, il a fait une erreur, David Luiz. Arrêt de terre. Oh non. Oh non, il a contré le défenseur, non. Non. Ah, j'ai pas compris le David Luiz, qu'est-ce qu'il a fait là? Après, il y avait 50 fois dessus quoi. On tente le centre. La tête. Ah, c'était trop loin, il faut avoir une Falcao Tochi là pour mettre la tête de là. Bon voilà, le match fini. Donc c'était assez équilibré des deux côtés. Vous voyez que cette équipe elle a l'air pas mal. Voilà. Bonne petite équipe là, faudrait un petit Lucas en attaque, mais il coûte cher. Un petit Lucas Moura là, un peu plus de technique, un peu plus de rapidité que Gamero.
pour accompagner la vitesse de Rémi. Voilà, bon, on va ouvrir ce dernier pack et on va se dire au revoir et à la prochaine. Donc j'ai 7000 crédits, ouais, je vais vendre vite fait 3 joueurs en vente rapide pour avoir 7500 pour ouvrir un pack or. Premium, non? Or, oh, je sais plus comment il s'appelle des packs comme ça. Voilà, on va essayer de trouver des joueurs. Ah yeah! On rare pas. Est-ce que j'ai vu quelqu'un? Pas encore ouvert. Plus 35 XP. Oh, Blazikowski! Combien ça se vend, Blazikowski? Ah, je suis bien curieux d'aller voir. Attendez, je vais pas, finir tout de suite. Je prends tout ça. Blazikowski, tiens. J'aurais pas pu avoir un Lewandowski. Ou un Ribéry. Est-ce qu'il finit Paris? Je connais. Bon, on s'en fout. Alors, combien ça coûte un Blazikowski? J'espère que ça coûte au moins 7000 pour me rembourser le pack. Ça m'arrangerait. Alors, ça doit être CMD, je crois. On s'en fout. Ah, on va regarder la formation d'ailleurs. Alors, attendez. Tac. Voilà. Alors, Blazikowski. 80 général, il est ici. MD 3-4-3. Ah, 3-4-3, c'est une formulation de merde, ça. Ça a pas coûté bien cher, ça. C'est un petit 2000, je crois. Même pas. MD 3-4-3. Nationalité Pologne, je crois. Je sais plus, j'adore. Donc, voilà. Pas prendre de risque. Voilà, alors fort qu'il y a. J'avais un petit espoir en lui. Eh ben non. 1200. Bon voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous inquiétez pas, il y aura l'épisode 2 certainement dans la semaine qui sortira. Donc cette vidéo sortira peut-être dimanche. Oui, ça sortira dimanche, non, il est dimanche quand vous la regardez. Mardi ou mercredi après-midi, je sortirai l'épisode 2 avec la Serie A. Si j'ai assez de crédit pour la faire, ben je me débrouillerai. Allez, ciao tout le monde, c'était Aaron Smith. Au revoir. Oh yeah.